Bonsoir à tous, moi c'est Nico et mon rêve c'était de découvrir le monde hors des sentiers battus. Donc en 2012, je pars pour un tour du monde. Je désire sillonner des terres inconnues, vivre des expériences authentiques, m'immerger dans de nouvelles cultures et voyager à la rencontre de moi-même. Bref, je m'imagine déjà vivre une véritable aventure. Sauf que les premiers mois, cette grande épopée se résume à dormir en auberge de jeunesse dans des villes chaudement recommandées par mes guides de voyage et passer mon temps avec d'autres occidentaux. En fait, je voyage dans la facilité parce que je ne sais pas comment faire autrement. Et puis en Inde, je sors enfin de ma zone de confort et quitter cette zone me mène là où la magie se produit. Je deviens acteur et figurant pour Bollywood. Alors je dois servir des verres. Mon nouveau rôle consiste à faire semblant de servir des verres à des Afghans déguisés en Américains et à des Iraniens déguisés en sultans. Je suis serveur arabe dans les années 70 au Sultanat d'Oman. Et puis je me retrouve acteur pour une série documentaire. Et là c'est un peu moins drôle parce que j'apprends au dernier moment que je dois jouer le rôle d'un pédophile dans un orphelinat. Dans quelle situation je me suis encore fourré? Impossible de fuir. Aujourd'hui, je me retrouve comme un con sous-titré sur YouTube en hindi. Et le voyage ne peut se dissocier de l'imprévu. En Inde, je rencontre Sarah, une Zimbabwéenne. Elle me dit « J'habite au milieu de la savane. Si un jour tu passes me voir, on ira camper au milieu des animaux. » Le rêve. Moi, quand j'étais petit, mon dessin animé préféré, c'était le Roi Lion. Sauf que j'ai prévu de continuer vers l'Argentine. Je n'ai pas du tout prévu d'aller en Afrique. Et puis, je me rends compte que pour aller en Argentine, l'avion fait une escale en Afrique du Sud, donc pas loin du Zimbabwe. Vous imaginez la suite. Je retrouve Sarah et on part camper au milieu des éléphants, des girafes et même à côté d'une lionne qui un soir vient se poser à 10 mètres de nous. Et comme si ça ne suffisait pas, je deviens ami avec un guépard. Il a été adopté par une amie de Sarah et je me balade avec lui dans la savane comme si je promenais un chien. C'est tout simplement incroyable ce qui est en train de se passer. Je réalise un rêve d'enfant sans même l'avoir anticipé. Comme quoi, c'est bien de ne pas tout prévoir quand on voyage. Et puis, je traverse l'Argentine en autostop. Alors, lever le pouce, c'est accepter de ne pas contrôler sa destinée. Chaque nouvelle journée est une surprise. Par exemple, le premier jour, mes conducteurs m'invitent à une fête de village allemand. Et je me retrouve à danser sur de la musique bavaroise et boire de la bière. Je m'attendais à autre chose en arrivant chez les Latinos. Et là, c'est parti pour un voyage à la rencontre de moi-même avec l'ayahuasca. Alors l'ayahuasca, c'est une plante médicinale hallucinogène utilisée par des indigènes. Elle est consommée lors de rituels sacrés orchestrés par un chaman. C'est un psychotrope, mais elle est utilisée à des fins thérapeutiques. Et moi, ma thérapie, c'était de me retrouver dans cette cabane, au milieu de la jungle, pendant une semaine, tout seul. J'avais le droit de voir personne, sans internet, sans musique, sans téléphone, sans lecture, sans rien. Je n'avais pas le droit de me laver, pas le droit de mettre du produit anti-moustique, ni même le droit de me brosser les dents. En fait, l'objectif, c'était de se retrouver tout seul, à l'état animal, pendant une semaine. Il y avait juste la chamane qui passait me voir 15 minutes par jour pour voir si j'étais encore en vie. Et à la nuit tombée, je prenais l'ayahuasca. Alors l'ayahuasca, elle me faisait voyager dans une autre dimension de la réalité et parfois dans une autre dimension de moi-même, jusqu'au fin fond de mon inconscient. L'ayahuasca, elle me faisait vomir aussi, sachant que je ne pouvais toujours pas me brosser les dents. Et en fait, pendant une semaine, j'ai voyagé dans ce que les indigènes appellent le monde invisible. Difficile à expliquer, mais ce fut, je crois, l'expérience la plus éprouvante et la plus intense de ma vie. Et pourtant, elle fut bénéfique. Après, pour me remettre de toutes ces émotions, je suis parti naviguer le long du fleuve Amazon. J'embarque sur un bateau qui transporte marchandises et passagers. J'essaye d'installer mon hamac en trouvant une place au milieu des autres, pas évident. Et là, c'est parti pour un trajet de plusieurs jours le long du fleuve sauvage. J'arrive à un stade où j'ai envie de pousser jusqu'au bout le concept du voyage hors des sentiers battus. Alors au Brésil, je choisis une ville au hasard le long du fleuve. Je m'assure qu'elle n'est pas référencée dans les guides et je débarque. Là-bas, je rencontre Zé. Et Zé, il m'invite dans sa famille, qui habite dans une communauté perdue à plus de 20 heures de bateau de la civilisation. Je partage leur quotidien pendant 10 jours. Eh bien, j'apprends énormément sur la vie à leur côté. Ici, pas d'objectif, de plan de carrière, de compte épargne logement et autre étrangeté de la sorte. Leur richesse, c'est la nature et leur famille. Alors effectivement, ils n'ont pas accès à notre système d'éducation et leur santé est différente. Mais
Ils n'ont pas de dettes, ils n'ont pas de sans-abri, ils n'ont pas d'anxiété. Ils savent protéger leur environnement. Du coup, je me pose des questions avec eux. Je me dis, mais est-ce que c'est vraiment nous qui avons la recette magique du bonheur? Est-ce que finalement, tout le monde doit se développer et devenir comme nous? Et voyager à la rencontre des autres, c'est ça, selon moi. C'est sans cesse remettre en question ces schémas de pensée préconçus. Donc forcément, après toutes ces expériences, je suis rentré avec de nouveaux yeux. Et une nouvelle coiffure, au passage. Alors en fait, ce que je retiens profondément d'un tel voyage, ce ne sont pas les visites et les paysages, mais bien les anecdotes un peu folles et les rencontres incroyables. Elles m'ont appris bien plus que n'importe quelle formation. À l'école, on m'avait enseigné une vérité. Et à l'école du voyage, j'ai appris différentes vérités, différentes réalités. Et je pense que si je n'étais pas sorti des sentiers battus, je n'aurais pas eu la chance de vivre toutes ces expériences qui m'ont tant apporté et de rencontrer toutes ces personnes qui m'ont tant inspiré. C'est pourquoi que voyager autrement et sortir de sa zone de confort, je le souhaite vraiment à tous les amoureux de voyage. Je vous remercie.